Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder dans ce module quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal, mais que je ne vois pas beaucoup sur YouTube, parce que c'est une technique déjà assez dangereuse, mais quelque part qui fonctionne parfaitement si c'est maîtrisé. Alors, c'est quoi cette technique? C'est le contrarien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, je vais vous l'expliquer rapidement dans cette vidéo, c'est le fait de prendre non pas le mouvement dans le flux du marché, dans la tendance du marché, mais bien le contraire. Alors oui, vous allez me dire c'est dangereux. Effectivement, c'est dangereux. C'est une technique qui doit être forcément maîtrisée. C'est une technique qui doit être utilisée sur du ultra court terme, puisque on va prendre quelques ticks à chaque fois. Vous avez pu le constater sur mes vidéos, on retrouve cette technique sur des lives, mais vous allez voir que finalement c'est plutôt assez judicieux d'utiliser cette technique parce que les market makers, parce que aussi bien sur le CFD que par exemple sur les futurs, les gros institutionnels, il vous envoie à l'abattoir, il vous donne de faux départs, de faux espoirs. Et quelque part, quand vous regardez ce qui se passe sur le marché monte et joue sur vos émotions. Donc à partir de là, si vos émotions sont sollicitées, vous tombez dans le panneau, vous tombez dans le piège. Donc il est facile, c'est vrai que c'est évident qu'il faut suivre, comme c'est marqué dans le manuel, de suivre une tendance, de suivre le flux, parce que vous avez plus de chances de faire du gain. Mais ça, c'est complètement irrationnel, hein, ce que je vais vous dire, mais il faut aller à l'inverse, en fait, de ce qu'on vous propose, de ce qu'on vous montre, parce que souvent, ce sont des pièges. Je l'ai déjà démontré, hein, sur plusieurs vidéos, et quand vous regardez bien ce qui se passe sur un graphique, alors là, on est sur le Nasdaq. Vous avez souvent, par exemple ici, vous voyez, après une petite baisse, une accumulation de prix, et à la cassure ici d'un plus haut, vous avez eh bien, cette espèce de mèche là qui vous donne envie d'aller vendre. Après, on est sur du 2 minutes, donc ça veut pas vraiment dire quelque chose. Mais si vous regardez bien, quand ça repart souvent, on a tendance à avoir une impulsion sur une bougie et quelque part, cette impulsion, eh bien, vous donne envie de rentrer. Alors certes, vous rentrez, vous suivez le flux là, puisque là, on fait de l'analyse après, mais quand vous êtes devant le graphique comme ça, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Donc, c'est facile de dire oui, effectivement. Faut rentrer dans le flux, faut le suivre, parce que là je vais avoir raison. Ah oui, on le sait maintenant. Mais quand vous êtes là, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Ça peut très bien repartir dans l'autre sens. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le travail de la bougie. Et je vais vous expliquer ici, voilà, avec tout simplement un simple petit dessin. On va la prendre comme ça, on va faire achat. Voilà. Donc là, ça va représenter la bougie qu'on voit ici. Et qu'est-ce qu'a fait la bougie? Tout le long de son parcours, elle monte et elle descend. D'accord? À partir du moment où ça joue comme ça dans ce système de pompe, j'appelle ça la pompe, c'est l'offre et la demande, acheteur-vendeur, voilà. Et on donne peut-être aussi de faux signaux. Mais à partir du moment où on rentre comme ça sur le marché, déjà on rentre ici. On rentre déjà, on est en retard. Vous voyez? Donc cette vidéo, elle est là pour vous expliquer les pièges à éviter et surtout comment rentrer. Après, vous n'êtes pas obligé de faire du contrarien, mais vous pouvez également rentrer dans le flux avec cette technique de pompe. D'accord?
Donc, je le répète, le prix monte et descend. Et généralement, quand il y a une forte réaction du marché, on a tendance à suivre le marché. C'est complètement normal, c'est naturel, c'est humain. On joue sur les émotions. Et c'est ce que les institutionnels veulent. Donc, ils envoient du lourd. Et nous, on rentre ici. Qu'est-ce qui se passe? Le prix va redescendre. Parfois, il redescend dans l'autre sens. Et là, vous êtes à l'envers. Donc ça, c'est la première chose à prendre en considération. Tout ce que je vous raconte, ce n'est pas du bullshit. C'est effectivement des choses que j'ai pu remarquer et que je remarque encore tous les jours. Donc si vous voulez ne pas être un peu comme tout le monde, si vous voulez essayer de vous en sortir et d'avoir un peu plus de probabilité de gain, hein, vous pouvez éventuellement suivre mon raisonnement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une bougie impulsive comme ça, pour rentrer dans la tendance, admettons, vous attendez que la bougie baisse. Une fois que la bougie baisse, vous rentrez. Là, vous avez un super prix. Parce que non seulement vous l'avez pris assez tôt, là, la bougie monte, et si ça tient, et qu'on est dans une tendance haussière ou un cycle haussier, on aura une deuxième bougie au-dessus. À partir du moment où vous êtes tranquille et que vous êtes beaucoup plus bas, vous pouvez ici protéger. D'accord ? Voilà, vous protégez avec votre stop ici. Après, vous faites shooter, c'est pas grave, vous avez protégé votre trade. Donc, non seulement vous êtes dans la tendance, donc déjà c'est très bien. Deuxièmement, vous avez pris une entrée beaucoup plus basse. Donc ça, c'est excellent. Et troisièmement, vous avez rapidement pu protéger votre trade. Donc ça, c'est vraiment idéal. Après, vous avez une autre possibilité. Donc, je vais décaler ça. Le prix continue de jouer comme ça sur plusieurs minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire une deuxième bougie. Quand vous avez, alors je vais mettre celle-là en rouge, vous allez comprendre pourquoi. C'est assez théorique hein, tout ça, mais c'est une vidéo intéressante, je pense, qui va peut-être vous donner quelques clés pour avancer dans votre trading. Donc je mets en rouge, vous allez comprendre pourquoi. Ici. Donc on revient sur cette bougie qui donne une impulsion importante. Et à chaque fois, ça vous pouvez vraiment le voir sur le marché, à chaque fois que vous avez une bougie impulsive comme ça et qu'on passe à la deuxième, généralement, on revient chercher les 50%. Pourquoi? C'est comme ça. C'est le price action, comme on dit. Et du coup, on est vraiment en récupération de la moitié de la bougie. Parfois, c'est un peu moins. Parfois, c'est beaucoup plus. Mais en moyenne, on vient récupérer la moitié de la bougie précédente. Et là, on est vraiment dans la récupération d'excès. Alors là, on est dans le price action. Mais on peut faire de la récup d'excès également sur un cycle. Bon, là, il n'y a pas d'excès, puisque c'est une tendance. Mais vous l'avez compris, quand vous voyez une forte accélération sur le marché, ou même par rapport à une annonce, vous avez une récupération d'excès derrière. Donc on peut récupérer largement le mouvement inverse, sans pour autant se mettre en danger, et ne pas rentrer dans une annonce. D'accord ? Donc vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller sur si vous tradez vraiment à la bougie, et si vous cherchez un point d'entrée précis, n'essayez pas de rentrer trop haut. Essayez tout le temps de rentrer au plus bas de la bougie. Ici, par exemple, on serait rentré juste là. On a la bougie qui fait ça, et d'un seul coup, elle baisse. Ok, elle remonte, vous rentrez. Vous rentrez parce qu'on est sur des plus hauts. Alors, il y a la mèche qui nous gêne un peu, donc on pourrait croire qu'on descend. Mais si toutefois, vous sentez que le marché est dans une bonne tendance et qu'il y a des... Et qu'effectivement, on est sur une tendance haussière,
n'allez pas faire du contrarien, c'est plutôt dangereux. Par contre, le contrarien marche super bien, super bien. Je l'ai encore démontré hier. Vous avez la possibilité, ici, tac, de prendre un trade dans le sens inverse de la tendance, avec 3-4 ticks. Du coup, vous avez la bougie qui fait ça, vous voyez, et vous savez qu'à un moment donné, ça peut repartir dans l'autre sens, parce qu'il y a beaucoup de mouvement sur la bougie, elle est beaucoup travaillée. Ça vous permet, vous, à partir du moment où il y a une impulsion, donc on ne parle plus de la bougie qui vient d'après, on parle vraiment sur la bougie actuelle, quand elle monte, ici, vous rentrez. Pourquoi ? Parce que elle va redescendre pour travailler. Vous êtes dans le trade, vous avez fait vos ticks, tac, et vous sortez, vous gagnez. Voilà, c'est tout simple. Donc vous avez vraiment plusieurs techniques qui vont vous servir dans une tendance ou pas, dans une unité de temps très très courte, à faire du scalping ou à faire un départ d'intraday. Voilà, j'espère que ça va vous aider. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Ça peut aussi vous déstabiliser parce que certaines techniques vont peut-être à l'encontre de ce qui est marqué dans les bouquins. Et bah, d'ailleurs, tout ce qui est marqué dans les bouquins, c'est uniquement pour vous mettre un petit peu en défaut. Parce que si le marché a toujours raison, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il joue sur vos émotions. Il sait où vous emmener, il vous donne de faux espoirs, il vous balade, il crée justement des points de rupture, il crée des cassures de structure, il crée également des paliers qui vont vous permettre, vous, d'aller poser vos stops au-dessus, et ensuite, il vient vous récupérer pour après racheter votre position, et puis lui, vendre tout simplement dans le sens inverse. Donc, tout ça, il faut prendre en compte, ça va venir avec l'expérience, mais ces quelques petites astuces que je viens de vous expliquer là sur la réaction d'une bougie peut vous aider dans votre trading. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Bonne journée et soyez prudents sur les marchés. Ciao.